le pic de Bure est le troisième plus haut sommet du massif du Dévoluy, dans les Alpes françaises, dans le département des Hautes-Alpes. Culminant à 2709 mètres, sa forme est très caractéristique, avec un plateau sommital à l'ouest et un pilier vertical, haut de 600 mètres à l'est, domine la station de sport d'hiver de Super Dévoluy. En été, il est accessible à pied, après environ 4 heures de randonnée, en partant du hameau des Sauvats, au-dessus de Mont-de-Mort, à 1343 mètres, par le GR94B. Pour diminuer la longueur de la randonnée, on peut partir de Super Dévoluy, et même, tous les mercredis, prendre depuis la station, le télésiège du Jas, qui vous emmène directement à 1900 mètres. En hiver, on peut l'atteindre, en ski de randonnée, ou par le plateau, depuis le haut des pistes de ski alpin. Le premier itinéraire d'ascension, sur la paroi nord, est tracé en 1943, par Raymond Leninguet et L. Malipier. La première ascension, du pilier oriental, revient à René Desmaisons, accompagné d'André Bertrand et d'Yves Paulet-Villard, en 3 jours, en septembre 1961. Présentée à l'époque comme l'escalade la plus difficile des massifs calcaires des Alpes françaises, et côté TD+, comme très difficile supérieure, elle reste aujourd'hui une entreprise sérieuse et emblématique du massif. La première hivernale de ce pilier oriental est réalisée en 1973 par Pierre Béguin, rue Raymond, Olivier Chaléa, Elaria. En 2000, le 4e régiment de chasseurs de Gap a procédé à l'érection d'une croix monumentale au sommet du pic de Bure. Cette croix est aujourd'hui à terre. Quelques années auparavant, l'association des officiers est sous-officier de réserve des Hautes-Alpes, avec le concours de l'Institut de radioastronomie millimétrique, IRAM, avait installé une table d'orientation sur la plateforme du sommet. En aval du sommet, un plateau assez vaste, le plateau de Bure, abrite un observatoire astronomique, l'interféromètre de l'IRAM.
Le réseau de radiotélescopes du plateau de Bure constitue un interféromètre millimétrique conçu par l'IRAM. Celui-ci est localisé, comme son nom l'indique, sur le plateau de Bure, à 2552 mètres d'altitude, dans le massif du Dévoluy. La construction de cet interféromètre a débuté en 1985. Les premières observations ont pu être effectuées en 1988. Il est actuellement constitué de 9 antennes de 15 mètres de diamètre chacune. Les 6 premières ont été construites entre 1985 et 2002. La 7e, inaugurée en septembre 2014, passe un dernier test avant d'être associée aux autres. Cette antenne est la première des 6 prévues par le projet NOEMA. Les antennes sont montées sur des rails, ce qui permet de changer leur distance de séparation en fonction des besoins. À la suite des travaux réalisés lors de l'été 2005, la séparation maximale sur l'axe slash ouest est de 760 mètres, tandis qu'elle est de 368 mètres sur l'axe nord slash sud. Ceci permet l'observation d'émissions ayant une longueur d'onde de 1,3 mm, c'est-à-dire une onde ayant une fréquence de 230 GHz. NOEMA est un projet franco-allemand de 45 millions d'euros. Va consister d'une part à porter le nombre d'antennes à 12 et d'autre part à allonger l'une des voies jusqu'à 1600 mètres. À la fin de 2019, la sensibilité de l'interféromètre de Bure devrait ainsi avoir décuplé et sa résolution angulaire devrait être 4 fois meilleure, ce qui en fera le plus puissant de tout l'hémisphère nord et le second au monde après ALMA. La présence de cet instrument a permis la poursuite de plus de 600 projets impliquant plus de 300 astronomes du monde entier. Son accès fut, en 1999, le théâtre de deux catastrophes, avec, le 1er juillet, un accident du téléphérique d'accès à l'observatoire, qui fait 20 morts, parmi ceux-ci des astronomes et techniciens de l'observatoire, puis d'un accident d'hélicoptère, qui fait 5 morts, le 15 décembre suivant, lors d'une expertise. Le procès de l'accident du téléphérique se déroula à l'automne 2003, au tribunal de grande instance de Gap. Son accès fut, en 1999, le théâtre de deux catastrophes, avec, le 1er juillet, un accident du téléphérique d'accès à l'observatoire, qui fait 20 morts, parmi ceux-ci, des astronomes et techniciens de l'observatoire, puis d'un accident d'hélicoptère, qui fait 5 morts, le 15 décembre suivant, lors d'une expertise. Le procès de l'accident du téléphérique se déroula à l'automne 2003, au tribunal de grande instance de Gap. Sources proviennent notamment de Wikipédia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à TextSpeaker de la société d'Escochard.